Roulette stacker. En vrai, je devrais prendre les mages. J'ai une baguette. On est reparti pour jouer mage, hein. Belote, bah ouais. C'était le meilleur augment des 3 et... Il y a un mec sur le Zoé Harry et machin, et j'ai des mages, donc bah... Ouais. Sorry, mais c'est reparti, hein. Okay. Machin en early, c'est trop fort, hein. Genre là, si on arrive à avoir des rôles gratuits et proc des charmes dans le genre, ça peut aller très vite en early. Malheureusement, je crois qu'on peut pas garder ce Rumble. Il coûte trop cher. Sauf si on gagne, mais je crois qu'on va pas gagner avec ce board. Hein. Non, on va pas gagner. On peut le vendre. Et les gold big. C'est Nico Rumble pour en garder une copie. Oui. Ah, c'est juste. On va juste utiliser ça sur Vex dès qu'on a une deuxième Vex. Hein. Pour faire Vex 2 le plus vite possible. Parce que c'est ça qui stabilise la comp en early. Et là, 2 gold, ça va. Tirer un gold, ça m'aurait fait chier, je vous avoue. Allez, please. Vas-y, j'en fais un autre, je m'en bats les couilles. Ok. Et voilà, c'est ça, ça c'est les charmes en early, si vous les avez. En fait, ça peut vous donner d'autres procs de trucs. Qui peuvent vous donner encore d'autres procs. Ça, c'est trop fort de... D'avoir ces charmes-là en early, quoi. Ça, c'est... Ben voilà, encore une fois, je me répète, mais voilà, vous voyez, je viens de gagner un rôle gratuit. En plus d'avoir eu une chance de toucher des séraphines et des trucs... c'est pour ça que le ticket en early c'est ultra RNG quoi. C'est vraiment très RNG. Est-ce qu'on préfère Rumble en early ou 5 mages? Je pense qu'on préfère Rumble hein. Plus on y peut passer 3 là. Bah j'ai eu les deux charmes hein. Et je pense que si j'avais pas fait ces rolls, j'aurais pas eu ce charme là juste après. Bon, le seul problème de tout ça, c'est que j'ai zéro séraphine. Enfin, j'ai pas beaucoup de séraphine et de soraka, alors j'ai beaucoup de rôles gratuits. Par contre, je viens de perdre ma loose trick. Enfin, j'ai même pas fait gaffe au fait qu'il fallait que je int mon rune. Du coup, j'ai pas d'écho là. Voilà. Et on va compenser avec du high roll. Baguette, c'est excellent. Non, c'est excellent. Bon, c'est pas excellent, mais c'est bien. Et... une belt. Oh. Oh, c'est bien.
Alors, est-ce que c'est Morello, c'est Spellcrit? Moi je pense que c'est plutôt Spellcrit. Et la belt elle peut faire plus de trucs. Le gant dans cette comp c'est soit Spellcrit, soit Steadfast. Oh putain. Il joue Syndra Shape. Mettre la belt en un remover, ça peut faire la diff. Comme on a perdu la low streak, j'aimerais vraiment commencer à win streak. Vas-y, je suis joueur. Oh, attends, c'est pas mal! Par contre, on a rien pour la France. Attends, c'est pas mal du tout ça. Ça aurait pu être une catastrophe. Mais bon, ça va. Oh! Un Reforger. Huge. Je sens que le Galio il a envie de faire des petites carabistouilles. Zonia Galio, non. Des trucs tank. Des trucs tank et il va distribuer des stuns qui mettent midlife. Chef, on a un problème. On a un gros problème là. Il est worth the wait into trench coach Ivana. Mais il triche en fait. Tu sais que ce mec là triche. On dirait pas comme ça, mais je peux vous dire qu'il triche. Son combo d'item est juste. Gars, je crois que Veigar c'est du bait, non? Attends, mais j'attends quoi moi pour faire ça? Attends, mais c'est... Oh, le combo d'item est incroyable! Attends! Non, il faut que je mette ça sur Galio en fait. Enfin, j'aurais jamais gagné le round d'avant même si j'avais équipé l'item. En fait, je devrais push. C'est tout! Oh ta grand-mère! Je crois que je vais roll au 6. Je sens bien la fois roll au 6. Vous savez que ça c'est incroyable hein, parce que à chaque fois qu'il met une auto il stun. Et du coup il, vu qu'il stun il applique ça. MDR le board est vide sa merde. T'es mal le board. Il se fout de la gueule de qui là? Il a un Twitch spell crit, une Shyvana, un triple item, on est stage 4. Ah, il est en mode scaling. Un trench coat pour Galio? Oh putain, j'avoue qu'un trench coat ce serait du bug abuse.
Eh vas-y. Orphan. Oh, oh putain. Alors, elle va pas casse tout de suite, mais quand elle va casse, il y a un truc là-bas là. Pas si impressionnant que ça pour l'instant. Oh putain. Oh putain. La merde. Magnifique. Ah, on s'en bat les couilles des veilleurs. Flopesque. Big flop. Je dois le garder précieusement ce Reforger, faut surtout pas grid. Faut le garder pour les items de merde en fait. Imagine triple horizon focus sur Galio. Oh, ça doit être si drôle. Bon, attends. In Vex. Vex is fine. On va prendre la Nico, il n'y a plus qu'à en trouver une. Ok. Je pense qu'on prend, c'est cher, mais on prend. C'est quoi cette Shyvana? Attends, elle prend cher cette Shyvana. Affronte mon Galio. Affronte la sentinelle. Affronte mon regard. Hop là. Je n'en ai fait qu'une bouchée. 8K damage Galio. Je pense qu'on ne bouge pas. On a un début de win streak, mais... Faut trust. Il faut trust les gars. Oh, regardez, regardez l'angle de ces séraphines. Oh putain. Elle a combien de sacs? 72. Pas la folie non plus. Hein. Allez, séraphine. Envoie, envoie, envoie la sauce. Envoie la sauce. 1500 le casse. Je rappelle, elle a pas d'AP. Hein. C'est que le damage amp de la distance. Ce Galio, il me met si bien. Il distribue des petits stuns. Oh chii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 i
flies like an arrow. Fruit flies like a bat. This place is so De quel côté tu préfères te retrouver? Du côté du galion ou de l'Avex? Je suis pas sûr. Il y en a trois. Il y en a trois. Des bêtes féroces. Regardez tes gars qui mettent. Il est top dommage. Il est top dommage. J'en pleure, putain. Quel poulet. Oh, pas mal ça. Alright. Oh, t'es mal les dégâts que ça met. Regardez les dégâts, il s'est fait one shot son Wukong, ne tank pas en fait. Il y a encore, il y avait qu'un seul Galio. Maintenant il y en a trois. Oh putain, la tech de fou, genre. Non, c'est trop grave. C'est trop fort. Oh, c'est trop fort. Gentleman agreement. Oh. Non, en fait, il rentre pas. On va juste le mettre sur Nami. Très bien, sur Nami. On rend un charme. Un composant. Pas que ça joue les composants. Si on en avait un en trop, pourquoi pas, mais là non. Ah, ça c'est pas un très bon matchup pour moi. Non, en fait le combo des 3 est trop fort. Double horizon c'est pas plus fort que Silvermere ou que Trenchcoat. Oh allez, non mais Galio, mais ce Galio c'est du n'importe quoi. Hein. Vraiment. Hein. Tu peux rien faire. Hein. En fait ce board c'est genre Exodia. Il fait 10k damage le Galio. J'ai jamais vu un Galio comme ça, vraiment. J'ai jamais vu un Galio aussi. Oh merde, le Sugarcraft. Oh, j'ai oublié ça. Ouais, c'est vrai, putain. Ok, un Reforger. Oh, j'ai oublié ça. Oh, j'ai zappé, je suis désolé. Oh, je troll. Oh, désolé, j'ai troll. My bad. Au bord peut contrer une Lèche 3, non mais abuse pas. Un 4 cost 3 star, pourquoi pas, mais une Lèche 3, non. Une Lèche 3, ça pisse sur n'importe quel board. Non mais t'es mal les Galios, genre c'est trop oppressant en fait. Tu veux faire quoi? Ouais putain, je m'en veux tellement d'avoir oublié le gâteau. J'ai pas du tout vu, en fait dans cette comp, je regarde pas du tout les stacks. Je les regarde même pas genre. Un 4 cost 3 star, maybe. Oh, Mogul's Mail. Des thunes. Je peux poser l'armure for fun. Ouais, on pourrait. Non, ça marche pas. Hein. Oh,
C'est que je pense que no joke, en plus 4 Vanguard, c'est limite plus fort que 7 mage ici. Je suis très sérieux. Oh la Mogul plus la Gambler's Blade, c'est comme si on avait Shimmer Scale. C'est comme si on avait l'augment de Prisma. Ah c'est une dinguerie cette game. J'ai l'impression que mes games aujourd'hui c'est soit j'ai des dingueries soit elles sont ignobles. J'ai pas trop d'entre deux. Oh putain il a Shyvana 4. Il a Shyvana 4, Trenchcoat, Ionic et Protector's Vow. Il a gagné la game en fait. Comment je vais faire? Oh putain, un dragon. Faut faire jump la Shyvana de l'autre côté, à droite. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette Shyvana? Oh, Trenchcoat des deux côtés. Ça se divise. Oh putain. Je lui pète la gueule en fait, MDR. Oh, je lui casse la gueule. C'est même pas close et j'ai 68 gold. 67. Oh putain. Pyro, on s'en fout, non? Putain, TG. Un TG, c'est 5 gold quoi. C'est un artefact. Ça me mettrait vraiment bien. Petite mana Zane en vrai. Il manque un truc là. Quand même. Encore ça? Putain, mais ils sont chiants! Chiant avec les artefacts de merde là. Ok, alors split. Mais les Galio sont impossibles à gérer. En fait, ça fait des dégâts en pourcent max. C'est ingérable. En fait, ah, c'est ingérable. Yes, bordel. C'est bon, c'est n'importe quoi, putain. Oh putain, la vidéo de Zazo. Vous plaît. Oh mon dieu, je vais tellement bien manger. Bref, bisous les gars, merci d'avoir suivi le stream. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Bon app à tous ceux qui vont manger.